Son premier nom fut Havre de Grâce. Ces vedettes de l'aller-retour quotidien, banales comme des trains de banlieue. Ces hommes, ces équipages terriens, ce sont eux pourtant qui ont fait le Havre. Atelier géant de la mer, cale de Radoub à l'échelle du France, dont on répare ici l'étrave entre deux voyages. Pour les touristes et les bourgeoisies, les vitrines de souvenirs proposent un Havre en miniature reconstitué en coquillage. Un rêve à bon marché, nacré et biscornu, ce qu'on appelle, excusez-nous, des objets d'art. Mais le Havre, c'est avant tout aujourd'hui une porte que les plus grands paquebots du monde franchissent avec une lenteur souveraine, guettée par la carte postale en couleur. La mer était une aventure, elle s'est mise en chiffres et en équations, elle est devenue une industrie. Chantier Augustin Normand, sur ces rails de bois qu'on suif pour les rendre glissants, c'est le lancement d'un cargo. Cette ville, quelle est-elle, de chez nous ou d'en face? Le Havre ou déjà New York?
250 euros, n'importe quel. Comment tu arrives pas, ben alors, ton bien. Bien. Et tout à l'heure, si je t'ai parlé, il faudrait que tu me payes. Alors, madame, t'avais pris. Allez, la madame, Les Havrais trouvent leur vie toute naturelle. Ils vivent leur destin sans le comprendre. En vérité, ils sont Havrais le plus simplement du monde, écrit le Havrais à la Croix. Visage anonyme, visage du siècle, on est solide, on est chez soi et le monde entier se ressemble. Brésil, Pondichéry, Floride, Guinée, escale. 8h, midi, 2h, 6h. Ceux qui regardent partir les autres. 11 000 navires à recevoir, 21 millions de tonnes à décharger. Tout ce qu'on porte sur des bascules, tout ce qu'on roule sur des chariots. La marchandise innombrable qui passe par cette ville aux mains ouvertes. Une ville, un port, des hommes. Et puis la naissance du monde est là, toute proche. L'eau est patiente. L'eau est...